Donc, c'est bon. Donc, on va essayer de faire deux exercices. Un qui concerne la traction, traction-compression. On va voir en fait, l'exercice, une traction bien une compression. On fait l'exercice hyperstatique. Je me rachouffe hyperstatique. Ou un autre exercice, on dit, c'est le chemin de roulement, les pans de roulement. Les pans roulants. Donc, d'abord, de la traction. Exercice. Donc, un élément de machine est constitué de deux pièces cylindriques coaxiales. On a fait le vu et dit qu'il m'a dit maintenant. On a deux pièces coaxiales. Et qu'il y a la pièce deux cylindriques creuses. Cylindrique creuse. Et il y a deux. On a fait le comme le fort. Il y a des hachures. On aura normalement le même. Donc, on a assuré, assuré coupe CC. Avec. Donc, à des cylindres, cylindres creux, ou à deux, qui est à l'extérieur. C'est un alliage d'aluminium, d'uralium, alliage d'aluminium, de section constant S2, et de module d'élasticité E2. On est chez les assurés, les qui est à la barre. On doit le mettre à S2, on doit un module de Young, le module d'élasticité est égal à E2. On va reconnaître les données, il y a S2 et il y a E2. On va la limite d'élasticité, la limite d'élasticité est de 160 N par millimètre carré, c'est-à-dire mégapascal. Ou qu'il y a un cylindre plein. Donc, un cylindre plein se situe à l'intérieur du cylindre creux, ou qu'il y a à l'intérieur. C'est bon? Donc, un cylindre plein en acier, de section constante S1 et de module d'élasticité E1. Donc, on a tout simplement deux cylindres, okay? La longueur commune est L. Donc, on a une seule longueur commune. Une seule longueur commune. Une charge F est appliquée à cet ensemble. D'ailleurs, pour appliquer la charge les deux cylindres à la fois, il faut absolument mettre une sorte de couvercle en haut. Le appliquer cette F, il va être appliqué, le point d'application, il va être le point où le cylindre 1. Appliquer l'effort à les deux cylindres à la fois. Donc c'est pourquoi on a mis le couvercle pour appliquer de la pression sur les deux cylindres simultanément. Donc, une charge F est appliquée à cet ensemble entre les plateaux, des plateaux P1 et P2. Le poids propre des cylindres est négligeable. Vous savez, ils ont négligé le poids propre des cylindres. Négligeable devant les forces. Bien sûr, on l'a négligé. Il faut la négliger par rapport à quelque chose. Donc là, ils ont négligé le poids propre par rapport aux forces appliquées liées à F. Ou F, je pense, c'est l'athénalina. Et c'est 50 fois 10 à la puissance 3 newton. Donc, l'ordre de grandeur d'IELA, décanewton, c'est à peu près c'est 1 kg. Décanewton, donc il y a 50 fois 10 à la puissance 2. Donc, il y a 5000. Il y a à peu près 5000 kg. Donc, nous avons dit à chaque fois, il y a un ordre de grandeur à chaque fois de l'effort. Je ne sais pas si des chiffres qui n'ont aucun sens. Donc, à peu près, c'est 5000 kg. Il y a 5 tonnes. On va rajouter les deux cylindres, on va appliquer 5 tonnes de compression. Normalement, ça se voit ici que c'est une compression. Mais Benchlik, on va la démontrer. BNA, c'est une compression. On l'a démontré, le cours, d'après le cours, si on calcule N, il est quand N négatif, donc c'est une compression. N positif, c'est une traction. On a bien sûr, il y en a qui disent que le flambement n'est pas possible. Il est quand le flambement est un autre problème. C'est bon. Donc là, on va dire, par exemple, que le flambement n'est pas possible, ou c'est possible. Là, si elle serait rare, peut-être, le risque de le flambement.
le risque de l'écrasement. On va voir ça en détail. Déjà qu'il y a une vidéo là-dessus. Donc, flambement n'est pas possible. Donc, calculer les contraintes. Dans l'exercice, il vous demande de calculer les contraintes normales respectives sigma 1 dans le cylindre 1 et sigma 2 dans le cylindre creux 2. Un ébras où les contraintes les appliquer les deux cylindres. Oui, le bruit est goulou. Déjà, ni chaîne. يعني بشكل يعني بلو سامبل و بلو اكسيسيبل هو الاف مثلا هنا قلنا ابليكي واحد 5 طن قلنا دي كنا ابليكي واحد 5 طن هاد 5 طن il va être réparti il va être réparti comment à l'aide les deux cylindres واش هاد 5 طن il va on va appliquer 2,5 tonnes à l'aide le cylindre 2 et 2,5 à l'aide ou 2,5 à l'aide ou bien 4 هنايا و 1 هنا نو ما عارفينش انا اكزاكتومون واش غادي يوقع دونك سي با نيسيرمون غادي يكون عندنا لو ميم يعني هاد لا فورس فا تيتغ ديفيزي سور لي دو سور لي دو سور لي دو سيكسيون كاينين دو ريزون لا بروميير سي كو لا 1 اي 2 نون با لا ميم سيكسيون بعدا ديجا ياك الى جينا نلاحظوا هنا تبان لك بان لا سيكسيون ديال اس 1 تيغال 500 la section de S2 est égale à 200. Ça se voit, ça se voit. C'est S1 qui va reprendre la majorité de l'effort. C'est 500 mm au carré, on a 200. Alors, plus que le double. C'est bon? Donc, on a 5 tonnes, il va être appliqué essentiellement à la 1, à la 2. C'est bon? Si on suppose qui sont constitués par le même matériau. Voilà, ce n'est pas le cas. On a fait l'exercice. Déjà, ils sont deux matériaux différents. Et nous, je ne sais pas, nous avons 250, ou quel le même matériau, je peux dire que 100%, je vais trouver 2,5 tonnes. Peut-être. Je vais vérifier par calcul. Pour vérifier chez les belles logiques. Voilà qu'il y a la même section, deux matériaux différents. On a un autre exercice. Ça va? Donc, calculer les contraintes normales, sigma 1 sur le cylindre 1 et sigma 2 dans le cylindre creux 2. Donc, déjà. Là, je vais dessiner le schéma les attendants. C'est le couvercle T1. On a qu'un avec le cylindre. المهم انا نقيس هذيك ماشي هي هذيك نخدمو بهذا دونك هذي سيلاندغ الاول هذا الكوفاك الاول كاين تحت منو الكوفاك الثاني اوفا خاصني نلقى شي حاجة هذا Et voilà, on a le couvercle qui tient, mais je vais l'effacer. Donc, là, c'est S2. Donc, à l'intérieur, il y a un autre cylindre plein. Là, j'exagère un peu, en fait, la partie. C'est l'espace à là. C'est pas la même chose. دونك هذا هو اس 1 هذا هو اللي غيكون عندنا هنايا اس 1 اوكي
On va appliquer l'effort F. Non, l'effort. Mais ça se voit, on a dit quoi de la compression. Oui, on a fait un peu de benchline. Donc, ce qu'on a fait dans l'RDM, on va effectuer une coupe imaginaire. On a dit le donneur, on a dit une coupe imaginaire. OK? Donc, une coupe imaginaire. Par la suite, on a dit le côté de la semaine E1. هذا لو كوتي دا كسمي او 2 هنايا شنو اللي جديد علينا في هاد لا كوب لا كوب ايماجينير اللي جديد علينا في هاد لا كوب ايماجينير سي كو انا اون نا با كوبي اون سول سيكسيون كوم دابيتود ملي كانت عندنا اون بودر كنا كنديرو اون سيكسيون اون كوبي اون سول سيكسيون هنا هاد لا كوب يلفا كوبي دو سيكسيون على فوا اس 1 اي اي اس 2 سي فون دي اللي جديد دابا في هاد ليكزارسيس Oui, mais allez, non, alors je vais effacer de le côté de Gaken. Oui, maintenant, je vais me mettre donc. Je vais effacer de le côté de Gaken. Allez, allez, l'exercice d'Air Halak. OK. Bien sûr, هذا هو اس انا غادي ندير هنا راه نورمالمون سي اون فوت ها هي لا فوت اللي درت انايا في الديسان هي عندنا في الديسان اون نو في با انايا لي زاشور في لونجيتودينال ضروري خصك دير لي زاشور غير في ترانزفيرس لان بلا ما يجي شي واحد يبدا يفهم علينا نقول لهم راه غلط صافي المهم هنا راه لي زاشور ما كيديروش هنايا هذا لا يشوف هذا سي اس اوكي voilà pour vous montrer que c'est une section les vieilles pleines voilà اس 2 اوكي نمشي غادي نديرو غير هذا شنو هي لا دوزيام ديماش دو فير هي اون دو remplacer هاد او 1 par les forces انا بيان سور puisque c'est une force اللي هي اكسيال انا On n'est pas obligé de le démontrer. Les TEM, l'effort de cisaillement ou l'effort de moment sont nuls. On a déjà fait ça. On a déjà fait ça sur le cours de traction. On a démontré que si la force elle est axiale, donc ça va engendrer seulement des efforts les moins normaux. Donc normalement, on remplace la partie E2 par N. Par N. Mec. Donc, N. Rien n'est rien. Normalement, N va être appliqué à la S1 ou bien à la S2. Normalement, on avait seulement une seule section. Donc, puisqu'on a coupé deux sections à la fois, deux sections à la fois, donc N, on se met N1, on se met N1, ou S2, on va dire N2. Bien sûr, il y a le centre de gravité d'Yelou, le centre de gravité d'Yelou, tu vois, Rakine. Donc, les deux centres de gravité sont confondus. Tu as déjà dit que les cylindres ils sont coaxiales. On a ma hache, je suis dit, Galivan, je suis dit, S1 ou l'IQB. Donc, Galivan, la flèche de N1, je suis dit, on dirait un peu l'on a. Je suis dit, on a N2. انا بالعاني هنا درت ان 2 صغر من ان 1 حيت لوجيكمون انا لا لوجيك ديالي كتقول بان غالبا ان 2 غادي تكون انفيريور ا ان 1 vu que la section s1 ولكن غير لي سيغ حنا غادي كونفيرمي تو بار كالكول s1 اكبر من s2 حيت حنا s1 قال لك اسيدي راه فيها شي 500 مليمتر او كاري و s2 يلاه شي 200 مليمتر او كاري Mais logiquement, la force qui va être reprise par la section S1 est plus importante que la force reprise par la section S2. C'est bon? D'abord, tout simplement, on a de la vue délicate chauffée, non? On a de la vue, on va appliquer le principe fondamental de la statique. Donc, on applique le principe fondamental de la statique. Yeah. اللي هو سيغما ديال لي فورس اكستيريور ايكال ا زيرو وغادي نديرو ليه مثلا الاسقاط بارابور ا لاكس اكس الا كان هذا هو لاكس اي
dans l'axe Y, ou Z, on fait un crash. Okay. Donc, on a en 0 la projection sur l'axe X. Ou bien sûr, qu'il y a un sigma des moments, les forces extérieures est égale à 0. Moi, dis-moi, t'as pas une la force elle est axiale, quand 0 est égal à 0. Donc, on a le moyen ou l'équation. Donc, il a donné l'esquat à l'axe X, j'en ai atteint. F, rade suivant l'axe X. On a atteint F suivant l'axe X, donc F, plus N1, et N1, c'est le même sens, donc N1, plus N2, est égal à 0. Ok? Comme nous. Donc, on a sigma, par définition, il y a N, l'attraction, il y a N sur S. Non, je vais vous jouer le cours de N sur S. Yeah? Donc, sigma, la N, il y a sigma fois S. Yeah. Alors, je vais vous dire, on a dit N1, on a dit N2, yani N1 est égal à sigma 1 fois S1. Donc, on a dit, 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 on a fois S2 est égal à 0. Ce qui veut dire qu'on a cet exercice, c'est-à-dire l'équation numéro 1. Mais l'exercice, il est hyperstatique. Alors, si on a un isostatique, rien les équations des principes fondamentaux de la statique, ils vont me permettre de résoudre le problème. Moi, je dis en gros, il y a isostatique. Isostatique, il y a, je peux calculer tous les inconnus en utilisant le principe fondamental de la statique. Donc, là, on a appliqué le principe fondamental de la statique. Attends, on a l'équation, elle dit. L'équation, elle dit. Donc, il y a deux inconnus. Et on a F, elle est donnée. On a l'exercice. F, elle est donnée. F, il y a dit, on a su à peu près 5 tonnes. S1 donnée, S2 donnée. Voilà qui, sigma 1 ou sigma 2, ce sont des inconnus. Donc, on a dit une seule équation, deux inconnus. On a des systèmes hyperstatiques. Donc, je n'ai pas le problème. Si on a un système hyperstatique, logiquement, le premier réflexe liquidique, on a dit faut intégrer les équations de la déformation. Ou là, peut-être, intégrer les équations géométriques. Moi, ce sont des équations. C'est le premier réflexe radical. Donc, la géométrie m'a donné une chose. Donc, les équations, nous allons voir le problème physique qui est en train. On va voir si on peut voir si il y a une équation qui est en train de se faire. Puis là, je vais faire l'exercice. Donc, là, on va faire l'exercice. On va appliquer de la compression à les deux cylindres. Simultanément, en même temps. Wesh, le cylindre qui se trouve à l'intérieur va se déformer plus que le cylindre qui se trouve à l'extérieur. Moi, j'ai dit qu'on a des déformations différentes. Physiquement, logiquement, c'est impossible. On a un élève, les deux. Ça m'a dit l'idée des classes prépa, je suis le mat, ou un élève, il y a un élève, un va se déformer plus que la déformation puisque on est en compression et il y a un rétrécissement d'ailleurs. Donc un rétrécissement là un raccourcissement a dit qu'on me les deux plaques. Donc il y a un va dire un raccourcissement supérieur au raccourcissement des deux. Donc il veut dire quoi? Il veut dire que avec un cylindre,
غادي يبقى غادي يكون عنده غادي يكون ما ني با اون كونتاكت مع هاد لي بلاك بي 1 و بي 2 و او ميم طون الي اون تران دو سو راكورسير ميمكنش ما كاينش الكونتاكت وغادي يكون راكورسيسمون دونك سكي في اصلا لوجيكمون كتبان ميمكنش دو سيلندر كواكسيال سي جابليك واحد لا كومبريسيون اونتر لي دو ديك لا كومبريسيون اونتر لي دو لوجيكمون اون فا افوار لي ميم راكورسيسمون في لي دو في لي دو لي دو سيران ياك واضح دونك هنا ملي كت هادي مع هادي اللي غادي تفاعل هادو بجوج غينزلوا بنفس المسافه امبوسيبل وحده تنزل اكثر من الاخرى ولا وحده اكثر من الاخرى ما يمكنش سي بون دونك هادي سي اون ايكواسيون دونك تقدر تقول هنايا قويت ك لي دو Les deux cylindres, les deux cylindres. Bon, à voir. La même déformation. Donc, epsilon 1. Pour la delta 1 est égal à epsilon, epsilon 2. C'est-à-dire la deuxième équation. Epsilon 1 est égal à epsilon 2. C'est-à-dire les deux cylindres vont avoir les mêmes raccourcissements. Donc, pour la loi de Hooke, l'équation là. Qui m'exprime que la sigma est égal à n sur s. N sur S, d'abord, on a la loi de Hooke, on a E fois epsilon. Donc, epsilon est égal à sigma sur E. Remplacer E, non, attendez, d'où sigma 1 sur E1 est égal à sigma 2 sur E2. هنا يا قاعد نديرو القضيه نرومباسيو سيغما 2 دونك هادي تعطينا بان سيغما 2 ايت ايغال او 2 سور او 1 فوا سيغما اوكي سيغما 2 ايت ايغال او 2 سور او 1 سور سيغما هادي هي 2 On remplace d'abord deux dans un. Ah, ça t'aide, non? Quatre F est égal plus sigma 1 fois S1 plus un quatre sigma 2 fois S2. Donc sigma 2 va nous remplacer au abc. On va tenir E2 sur 1 fois sigma 1. Vous voyez l'équation, on a fait un seul inconnu. On va tous les donner sigma 1 multiplié par S1, l'enveloppe sigma 1, sur E2 sur 1 fois S2 est égal à moins F. Tout sigma 1 est égal à moins F divisé par S1 plus E2 1 fois S1 fois S2. J'ai rajouté négatif. C'est normal, c'est la compression. Donc il a de l'application numérique. سهلة أبليكاسيون ديميريك دابا خرجو بشحال ميت حيت على بود لي زينيتي قلنا هنايا موان قلنا سانك ياك سانك فوا دي سالا بويسونس شوفو لي زيكزاكتيون هنايا شوفو لي دوني اف هي سانك فوا دي سالا بويسونس تخوا و اس ان هي 300 و الأخرى هي 200 و
E, peu importe l'unité, علاش on va diviser E2, E1 sur E2. Il n'a pas d'unité. Donc, un E unitaire d'ici va être sans unité. Donc, il y a moins 5, 6. Moins 50 fois 10. Donc, moins 50 fois 10 à la puissance 3 divisé par 500 plus E2. E2, je connais. E2, il y a 7 fois 10 à la puissance 3, l'autre, il y a 20. 7, 20. Donc, 7 sur 20. Le même des 10 à la puissance 3, c'est 13 fois 200. Ou 200 mais 20, va dire 13, va te faire 10. Va te faire 10. On s'attend qu'il y a moins 50 fois 10 à la puissance 3 divisé par 10 fois 7, il y a 70. 70, il y a 500. Et vos calculatrices. Que j'appelle 50 000 divisé par. Il y a à peu près 87,60. Moins bien sûr. Mégapascal. Alors, je mégapascal. Mégapascal, il a dit de Newton. Il a dit 15 de Newton. Ou il a dit 15 de millimètre au carré. Donc, mégapascal directement. Donc, il y a sigma. OK. Ou sigma 2. Il y a E2 sur E1 fois sigma 1. Donc, application numérique, là, il y a E2, il y a 7 sur 20 fois moins 87,72. Avec, la dernière fois, c'est égal, divisé par 20, égale 30,7. Donc, sigma 2 est égal moins 30,7. En fait, donc, dans la première question. Calculer le raccourcissement. On a récolté un raccourcissement qui est une compression, delta L, de l'ensemble AB. Donc, là, c'est simple. La loi d'Hooke. Donc, on dit que la loi d'Hooke. Donc, on a sigma 1 maintenant est égal à E1 fois delta L sur L0, L. Application numérique. Application numérique. On a sigma 1. Il y a moins 87,72 est égal à 20 fois 10 à la puissance 3. Et l'argent E1, il y a. Donc E1, il y a 20 fois 10 à la puissance 3. Il y a des décanyotons, hein? Il y a 20. Il y a 10 à la puissance 4, mais il y a la puissance 3. Fois delta L, les inconnus, sont mal à L0. Maintenant, maintenant, ça, je vais dire Newton par millimètre carré. Elle dit Newton par millimètre carré. Et donc, elle dit 100 unités. Elle dit, mais elle dit, pas 13, mais après 100 unités. Quand il y a de L0, le donc, on va mettre maintenant le millimètre. Il est associé le millimètre. On dit, ça, tac. هنا يا امشي هذا
250 mm. Donc, 250 et 250. Donc, delta L est égal moins 87,72 fois 250 divisé par 20 fois 10 à la puissance 4. Maintenant, delta L, c'est-à-dire un miracle à l'arrière, moins 0,109 mm. L'exercice, là, il va se simplifier. Donc, c'est la même chose. Il veut que la suite, que se passe-t-il si au lieu de comprimer les deux pièces, et les places, on a les efforts qui attendent une compression, on va réaliser, ou là, on va effectuer un effort de traction. Donc, comprimer, on les soumet simultanément à une traction de même intensité. Il coule le même calcul. Le même calcul, ciao. Et là, on a bien sûr, alors on suppose que les deux cylindres, ils sont collés ou là, ils sont assemblés avec les plateaux. Les deux. Les deux, c'est mes colons collés ou là, assemblés, mais. Donc, on a fait le cas, on a le même problème, on a une blast, tout simplement, on a la coupe de l'hydrogène. C'est le même calcul, on a le sens contraire, on a fait le sens. Donc, on a fait le cas, on a moins F plus N1 plus N2 est égal à 0, tu vas résoudre le problème par la même façon. C'est bon? Donc c'est bon, donc à nouveau l'exercice. Il y avait le deuxième exercice, on va voir l'exercice, elle a les moments quadratiques et le centre de gravité. Donc la section des poteaux d'une structure métallique est composée d'un HEA 200 et de deux cornières 50 fois 5, soudé à l'aile supérieure. Donc, on est soudé à l'aile supérieure du HEA 200, comme l'indique la figure 50. Comme HEA, on a juste les cornières. Donc, calculer les coordonnées du centre de gravité G de la section. Donc, on est pour calculer la section du centre de gravité. Tout simplement, on va et là, on a le droit de comme on a vu. 6, 2. Alors, HEA descend. Des cornières. En fait, l'exercice Mathieu, c'est un poteau qui nous dit généralement qu'est-ce qu'on a un chemin de roulement des pans roulants. Regarde là qui connaît faire carré. Donc là, on va choisir un repère aléatoire. Là, il faut faire un choix intelligent. Là, je vais choisir le repère qui est le centre de gravité. C'est là, c'est le 1, 2, 3. Je vais prendre, par exemple, le repère, l'origine du repère.
confondu mais le centre de gravité d'un des profils. Donc on a pour minimiser un peu les calculs. Voilà, en général, qui qu'on a d'avoir l'axe Z, d'avoir l'axe Y. Donc maintenant, on va faire une petite rectification. L'axe Y, donc, les centres de gravité de chacun des éléments. Donc, G1, il est confondu. Donc, G1, d'ailleurs, il est confondu à l'origine de l'Z. Donc, G1. Donc, les coordonnées de l'Z, c'est 0. Ou Z, il G2, il y a ou G3, il y a أحنا فش نديرو الطابلو ولا بلاش نديرو سيري الطابلو ماشي مشكل دونك نديرو لو طابلو هذا هاك بوغ سامبليفي مثلا هذا نسميوه أن هو البروفيل دي أش دو هو هاد لاكورنيغ هاكا و تخوا هي لاكورنيغ هاداك total. On a les airs. Ouais. Par la suite, je vais calculer ZGI. Ouais. Donc, si je calcule les ZGI, on va mettre le chiffre de SY. I. SY, I, c'est quoi? Dans le moment statique par rapport à Y, je n'ai pas. Ou toujours SY, c'est A, dis-moi le contraire. Il est quand même SY, qu'est-ce qu'on A, I fois ZG. Donc, ouais. A, I fois ZG. On a une petite Y, G, I. Et donc, on dit que c'est d'abord SZ, 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 ravoua A, I fois Y, G. اوكي نبداو بعدا بلي كوردوني حيت ساهلين ماشي ساهلين وي نشوفو بعدا لي كوردوني ديال هاد الان لي كوردوني ديالو في زيد هي زيرو لي كوردوني ديالو في ايغريك هي زيرو دونك لا كورون ديالها كامله راه فيها دي زيرو الا صافي دونك هادي زيرو زيرو بالنسبه للجي دو جي دو اسقادير نو اسقادير دونك هذا ما يمكنش نعرف فوالا دونك نمشيو دابا للميموتيك ميموتيك maintenant, je suis à 200. Mémothèque. Entre parenthèses, Raïla, tu fais 4 fois 6, on a été vraiment un 6. نسيتو فريمون تخط ليه ديك المرة و قلت ما عرفتش علاش ما باقي ما كملتش عليه هو دابا نورمالمون ليدي اللي كانت عندي هي دو كخيي واحد لو سيت يعني يكونوا فيه هاد لي دوكيمون هما فيهم لو دوا دوتور ولكن راني ندير واحد لو سيت تنعطيه ليكم راه فيه كاع لي غنديرو في ديسكريبسيون HE200 l'air de la section de HE200 qui est 53,8 53,8 53,8 prenez les cornières des cornières 50 de 50 à L égale كورنيغ ال ايغال يعني ملي كتقول اسمها ال ايغال يعني هنا كاينه 50 وهنا كاينه 50 ان ايغال هنا كتكون تقدر تكون هنا 50 هنا 60 ولا 70 دونك الى مشينا لهذا تما ميموتيك غادي تلقاهم دايرين لي دو دايرين لي كورنيغ قلب هذا لي كورنيغ هذا الكورنيير كي 50 50 و 50
Ah. Donc 50, 50, 35 fait qu'il a l'air de la surface, il y a de la colonne. Il y a 4,8. 4,8. Donc on est là. 4,8. 4,8. Là, Khami couche à la bibliothèque. Pour les chihazas, on peut résoudre les problèmes les plus en détail. C'est de la cornière. Supposer des repères. Car on a fait l'exercice. L'air est là, ou tu sais la position du centre de gravité. Ouais, je dois l'aide l'exercice. La même chose, je vais le HEA. Il y a la somme des trois rectangles. L'âme ou les deux semelles. Donc, il y a 4,8 ou 4,8. L'air de la section. Ok. Donc, la somme. Donc, ça t'a énorme. Il y a 53,8 plus 4,8 plus 4,8. Il y a 63,4. 63,8. Devant le coordonnée du centre de gravité. C'est comme le centre de gravité et imma. On va résoudre le problème. Il y a un séparément pour deux. On déroule un petit tableau, on fait les positions des centres de gravité, et on va le tableau. Sinon, le cornier, on va mettre le cornier. Je vais mettre le cornier, la page, indique la position des centres de gravité. La position des centres de gravité est indiquée par D. On a, puisque A est égal, il y a D qui a fait le sens, Donc, on a derrière, je vois, position du centre de gravité, puisqu'il y a D. D est égal. On va le mettre là. Pour information, à titre informatif, mais il y a des cornières à L inégal. Inégal, ou M. Ducan est égal. Égal, égal. Elle dit inégal, cher. On a 30, on a GA, on a 20, GA. Donc, logiquement, on a le centre de gravité, mais il y a couche symétrique, mais il y a couche énorme. On a regardé si on a un D. On a deux valeurs. D2, là, il indique la position du centre de gravité, le côté le plus court. Ou D1, là, on a la position du centre de gravité, le côté le plus long. On a D2. D1 et D2. Donc, on a en fait L égale, on a D1 et D2 est égal à D. Rajam chouvou D, chal atelna, l'exercice, 50-50, D est de la colonne. Donc D. 1,4. Donc je vois un chapeau là. Donc D est de la position réelle du centre de gravité, mémothèque. Je peux la démontrer. De la même manière, elle est semée 1, elle est semée 2, hein? Tu calcules. Pas un problème. Donc, elle dit T. Alors, 1,4 D est égal à 1,4 centimes. L'unité est centime. Centime. صافي دونك بقاتي حاجه وحده غنحتاجها هي ديك الاش نسيت ما شفتش لا هوتور ديالو بي نورمالمون جينيرالمون كيكون 200 داك النار 200 190 اي اش اش دي اش او بي اش اي ا la semaine. Oui, largeur de la semaine. Donc 200. 200 au millimètre. Hein? Donc il y a 20 centimes. Le tableau, on a mis le centime, bien sûr. Hein? C'est pour une unité que je veux faire. D'accord. L'unité de la deux tableaux, centime. OK. Donc, il y a 1,4. Je vais le faire.
2,4 من هنا من الاول ديال هاد لا كورنيير حتى السونتر غرافيتي عندنا 1,4 سنتيم. دونك الا بغيت لا بوزيسيون ديال السونتر غرافيتي سويفون لاكس زد هاد البوزيسيون ديال لي بروجيكسيون هنا سويفون لاكس زد كومبيان تعطينا تعطينا هي هاد لا ديستانس من هنايا بشحال لا ديستانس من هنا بيسكو حنا قلنا هذا فيه 20 سنتيم 20 سنتيم يعني 200 ملم هذا 20 سنتيم دونك من هنا لهنا سي 10 سنتيم دونك 10 سنتيم من هنا 10 سنتيم بلس هذه فيها 50 قلنا بان لا كورنيير فيها 50 50 هي 5 سنتيم دونك 5 سنتيم دونك من هنا حتى لا فان اللي دوا تسيدي هنا هي 5 سنتيم دونك هي 25 سنتيم 25 سنتيم موان 1,4 حيت انا ما بغيتش نوصل حتى لهنا هذه راه كتوصلني حتى لهنا 25 سنتيم واصله حد هنا دونك انت بغيتي 25 سنتيم ما بغيتش توصل حتى لهنا بغيتي توصل حتى لهنا دونك هي 25 موان 1,4 تعطينا 25 موان 1,4 هي 23,6 23,6 وهنا سي لا ميم شوز بور جي 3 ميم كالكول غير هو غيكون في لو كوتي نيجاتيف يعني الا كانت هنايا بلس 23,6 في لو كوت في الجهه الاخرى غتكون موان 23,6 سي لا ميم شوز اما لا بروجيكسيون في هذا لو سونس هذا هذا لو سونس هذا هذا شي اسقاط هنا راه جي 3 و جي 2 عندهم لا ميم بروجيكسيون دونك شحال هي بويسكو من هنا لهنا قلنا عندنا هي 19 من هنا قلنا الطول ديال البروفيل كاع كامل سي 19 19 ديفيزي بار 2 19 ديفيزي بار 2 هي 9,5 ياك دونك 9,5 ولكن غنقصوا منها عاوتاني لا ميم شوز حيت كدا قلنا هاد المسافه عاوتاني اللي كاينه هنا لهنا عاوتاني حتى هي 1,4 donc 9,5 moins 1,4 il y a 8,1 donc il y a 8,1 donc 8,1 d'aller la chouette de faire 8,1 la même profil donc d'abord le calcul et 4,8 4,8 fois 23,6 غلط هنا حيت درت من هنا ندير كونترول زي دونك هادي 13 ايوا دونك هي 4,8 فوا 13,6 8,1 fois 4, donc 8,1 fois 4,8. 68,2 fois 2, 67,67. D'où?
YG هي S SZ divisé par A. Ça c'est démontré là. Ou ZG هي SY divisé par A. C'est égal SZ SZ هي 67,76 divisé par 63,4. Ou SY هي دي la somme de les SY هي divisé par 63,4 هي 0. Donc, on dirait qu'on a fait une avion à des comptes. Vous pouvez dire, ça va bien. Divisé par 63,4, ça va bien 1,22 centimes. 1,22. Ça fait? Donc, à la U fois L, je peux calculer le centre, le moment quadratique. Le moment quadratique, bien le profil de la section. Donc, la section, c'est le marque de HEA. HEA 200. IGZ1. IGZ1 est égal ou IGZ2 est égal. Donc je donne pour les cornières le L50 fois 50 fois 5 on déroule à IGZ2 ou la 3 est ou la IGY2 ou la 3 on a relationné. Y. Ah, on se voit au moins sur le bien sûr. Donc, pour faire mes cours sur le montant, car il me donne un peu de démontrer. Donc, IGZ, tu me dis la première colonne. La première colonne, il y a 3692,2 cm à la puissance 4. Au IGY1, il y a le. Voilà. IGY1 et vraiment de la chaîne de 100 et 1335,5 cm à la puissance 4. Comme disait les cornières, pour les belles, il va y avoir un peu de symétrique. Bien. Donc, sur les cornières. Il y a de la colonne. Il y a de la colonne. Y est égal à IZ. Il y a 10,96. Donc, la formule générale de l'IGZ est là. IGZ, il y a sigma de l'IGZI plus YG moins YGI. Maintenant, la formule, on l'a démontré. Donc là, il y a que l'IGZ ou l'IGZ libre. Donc, nous avons deux théorèmes, mais déjà branlés. IGZ, il y a le terme. Le terme, dis-moi, tu mémotais pour la catalogue. Avec la formule d'hier. Donc, IGZ1, IGZ2, IGZ3. Donc, IGZ1, il y a 3000. Ça y est, IGZ1, il y a 3692,2 plus 10,96 plus 10. C'est un endroit que je joue. 10,96 plus 1, c'est qu'il y a 2, qu'il y a 3. Plus. Ça va, on a YG moins YG. YG, YG, chargé de l'air. A,
est égal à 0. Ou A1 est 53,8. 53,8. Plus, c'est-à-dire au carré. Plus 1,22 moins 13,6. Là, il y a 8,1. YG2 fois A2. C'est-à-dire moins 8,1. Fois au carré fois 4,8. Ou bien sûr, on va dire YG moins YG3 ou YG3 égal à YG2. Ou les surfaces sont les mêmes. Donc, ça ne sert à rien. Je vais dire fois 2. Fois 2. On va dire YGZ est égal. On y va à la puissance. Avec le bris IGY, il y a sigma, il y a IGY plus ZG moins ZGI au carré fois A. Donc, maintenant, IGY. IGY 1, 2, 3. Donc, on va le terme au lourd. On va faire derrière 1335,5 plus 2 fois 10,87 plus. On va voir, Serge. Je sais que le ZG, j'ai le 0. ZG est égal à 0. Donc, il y a 0 moins. Je trouve le lourd là, parce qu'on attaque. Il a dit ZG moins Z, on attaque 0 moins 0. Donc il y a 0 fois, avec comme chef, fois la surface, pour 0. Ou il a dit, on attaque 0 moins 13,6 fois 4,8, ou il a dit 0 moins moins 13,6. Et il a dit, on a dit 0 plus ou moins 0 plus ou moins 13,6. C'est la même chose, c'est au carré, fois 4,8. Voilà, ça t'est là. IG, Y est égal centimètre à la puissance. C'est à la kinétique radiée, il y a plus ou moins. Plus ou moins 13,6, soit lequel fois. Fois 2, bien sûr. Fois 2. Vous savez? Et on calcule la valeur.